Ok, on est de retour à Frigorifia. Alors, je tiens à préciser d'avance, je n'ai pas trouvé la solution. Je ne sais toujours pas où est mon bonheur, je ne sais toujours pas où est le Poképlute, etc. Et j'espère que j'aurai une bonne communauté pour une fois, parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être bloqué dans un jeu. Parce qu'on me demande d'aller à un endroit, mais il y a un Ronflex qui bloque. Donc, je vérifie par là. J'en profite pour entraîner les Pokémon. Évidemment. Donc, je vais aller vérifier si on peut encore faire quelque chose ici. C'est le seul endroit auquel j'ai pas de tryhard comme apport. Il est plus rapide que moi. Là, je vais pouvoir entraîner les Pokémon, ça sera une séance d'entraînement. Putain, ça va m'énerver aussi. Ça fait plus d'une demi-heure quand même que je suis dessus. Depuis le début de l'épisode, j'ai pas trouvé de solution. Bon, j'ai pu faire une petite quête sympathique, mais c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Même plus comment j'ai fait pour passer là. J'ai fait comme un effet. Je vais acheter des patins, ça ira mieux. Mais ça suffit! Je peux même plus sortir. Ah, donc ça, il peut monter vite ici. De toute façon, d'ici 20 niveaux, je vais pouvoir m'attaquer aux champions. Rentre pas dedans, ça va pas à la tête. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'amis? Non, j'arrive pas. T'as pas une Poképlute? T'as pas une Poképlute? T'as pas une Poképlute, s'il te plaît. Pinda. Donc je me défoule un peu. Ah bah tiens, la prochaine fois je prendrai du curly, qu'elle a dit. Je vois pas pourquoi t'as pas d'amis.
Mais merde. J'ai même pas un seul indice pour savoir comment me débarrasser d'un Ronflex. Personnellement, je pense que le jeu a suffisamment avancé pour... pour pas être bloqué sur le Ronflex. Une pierre que je n'ai pas dans ma collection. Ouais, vas-y, fais-le. Je ne ferai jamais ça. Quelqu'un de mauvais, tire-toi, laisse-moi tranquille. La Cotova est trop mignonne. Super froid, je sors pas d'ici avant que ça se réchauffe dehors. Bah, tu peux attendre longtemps. C'est quelqu'un qui aurait pas une Pokéflûte, s'il vous plaît. Non, allez vous faire foutre. Même pas vous dire si c'est un bug ou pas. Je pense pas. Hein. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai oublié de dire ça, mais j'ai été changer mon horaire exprès pour vérifier si c'était pas la boutique, et ce n'était pas la boutique. Et toi? Excusez-moi. Bonjour petit. C'est très courageux pour un dresseur de votre âge d'être venu jusqu'ici. Mais vous ne me reconnaissez pas? Non, je ne crois vous avoir jamais rencontré. Mais si, on s'est déjà vu deux fois. Pardonnez-moi, mais je m'en souviens absolument pas. Pourtant, je n'oublie jamais un visage. Toujours est-il que si vous comptez vous rendre dans le désert, je préfère m'assurer que vous serez capable de vous en sortir. D'accord. Ça ne marche jamais! Deux fois. Ah, je l'ai vendu! Ça dégage. Lucario. C'est un combat acier. Oh, ruse, c'est de la triche. C'est très là. Bien joué, à l'avenir, sois prudent avec les acolytes du défi. Bien joué, je suis impressionné. Mais ça me rassure que vous soyez aussi débrouillard. Moi maintenant, je sais que vous en sortirez dans tout type d'environnement. Bien. Bonne continuation et faites attention à vous. Par contre, si c'est ça le ronflex, je me... Je vais pas me pendre, mais je serai pas loin. C'est ça qui me casse les couilles. Hé, bouge-toi! Bouge-toi!
Défonce-le! Oh mon dieu, même la carte! La musique va très bien avec l'ambiance. Ah, c'était là! Que vous faites là, vous ne devriez pas voir ça. Sortez immédiatement. Mais une pokéflûte. J'y crois pas. Vous êtes vivant. Je vous pensais mort. Mais alors, c'est vous qui avez fait sauter mon centre. Vous êtes complètement malade, ma parole. Qu'importe ce qu'elle vous a fait. Ce centre représentait 50 ans de ma vie, bordel. J'arrive pas à y croire. J'espère que pour vous que vous avez les documents que je vous ai demandé de trouver. Oui, vas-y, prends-les. Quand je pense que vous avez réduit en centre toutes mes années de dur labeur, ça me donne envie de vous. Bon. Comme je suis un homme de parole, je vais vous remettre votre récompense. Je ne peux pas le donner. Mais sachez que c'est à contre-cœur. Ça me fait plaisir. Tiens, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Merci pour les plans et bon vent. Allez, dégagez de mon bureau. Oui, monsieur. Ça ne résout pas mon problème. Je pense que je vais résoudre le problème des mimigales maintenant, parce que j'ai que ça à faire. Non, il faut que je donne. Putain, c'est l'ancienne version du multitexte. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Bon, faut que j'aille sur la route pour trouver. Je vais trouver des mimigales ici. La mort des mimigales. Ma chouille. Niveau 29 quand même. Thank you.
Ma chouille. Ok, ça en fait deux. C'est bon. On s'en fout d'un fou de robot. On s'en fout, allez, cassos. Pardon, Miguel, on s'en fout. Salut Kershigal. Nickel. Ça va super, j'espère que toi tu vas bien. Et d'autres mimigales, s'il vous plaît. On recherche des mimigales sur la route. J'en ai battu 4 il me semble. Alors. Miga niveau 29 est plus rapide qu'un Luxray niveau 36. On prend note. Et c'est le follow de Kershigal. Merci, ça fait plaisir. Non, on en était où? Ah ouais, on a Charlie à trouver aussi. Et là. Une dresseuse est révélée. On est à la route 106, tout va bien. Non, le but c'est de savoir si je les ai tous battus ou pas. Je te re-réponds que ça va super et j'espère que toi tu vas bien. Et au cas où tu ne l'aurais pas vu, il y a eu ton follow, ne t'inquiète pas, ce sera immortalisé sur YouTube d'ici dimanche. Tout va bien. Je sais plus du tout où est-ce qu'elle est dans Oniaville en fait la dame. Ah si, ça y est. Ça y est. Casino Horry. Je crois que c'est la famille Chelou. Je crois que c'est elle. Oh, c'est toi, alors t'as réussi à exterminer cette saloperie de Migal? C'est vrai? Ouah, c'est super. Je vais pouvoir reprendre la route, merci à toi. Viens, prends ceci. Mais non, je veux pas d'une pierre stase de merde. Je vais être une bonne route, moi, la mienne. Je vais être une bonne route, la mienne m'attend. Peut-être qu'on se retrouvera sur la route, à bientôt. C'est quoi mon YouTube? C'est exactement le même que celui de Twitch, hein, Auricalcos. Tu tapes exactement la même chose.
Bon, je vais en profiter pour dire ce que j'ai fait pendant cette... Enfin, pour faire ce que j'ai fait il y a 30 minutes. Donc, je retourne... Là. Ok, ça marche. C'est lui que j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain ? Une merde ! J'ai plus rien ! Toute ma faute ! Qu'est-ce que t'as, toi ? Rien, je me demande ce qui t'arrive. J'arrive pas à me décider. Décider de quoi ? J'arrive pas à arrêter de jouer. Parfois, je sens que j'ai la force de le faire, mais je le fais pas. J'aimerais arrêter, tout lâcher et partir refaire ma vie loin de la tentation du jeu. Qu'est-ce qui vous y retient ? Je sais pas, j'ai le sentiment que la prochaine partie sera la partie qui me fera tout gagner. Selon vous, cela a-t-il plus de chances de se réaliser que le succès que vous rencontriez dans votre nouvelle vie? Wouah, c'est puissant ce que tu viens de dire, mec. J'avais jamais pensé les choses sous cet angle. Pourtant facile. Ma vie sera forcément meilleure si je m'occupe d'elle, en priorité. Je sais pas si c'est ton discours ou la cocaïne. Et là, j'ai vraiment le sentiment que je peux reconstruire ma vie. Faut que je saisisse cette chance. J'arrête les jeux dès ce soir. Et je me lance dans le commerce du super repousse. Merci Coco, tiens, prends ça. Là où je n'en aurai plus besoin. Ok, un grand merci à toi pour l'abonnement. Je te laisse, faut que j'étudie ce pas. Et pars de le marcher. Alors, il y a juste une deuxième chose que j'ai fait. Là, je voyais un gamin qui dormait. Je comprends mieux pourquoi la playlist tourne en boucle tout seul. Là, j'ai une cassette, mais. Bon, bah j'aurais pas trouvé mon bonheur. J'ai l'impression que ça va être terminé pour ce let's play, ça continue. Malheureusement. Je vais en profiter pour utiliser... Donc là, j'ai cette musique-là. Et dans cet épisode, je me fais pas striker. J'ai vraiment de la luck. Je sens que là, ça va être un épisode où, je vais t'emmerder par les droits d'auteur. Je prie juste qu'il n'y ait pas de coupure son. Je m'en fous qu'il n'y ait pas de monétisation, ça, il n'y a pas de problème. Et juste qu'il faut que le son reste. Tout ce que je demande. Bon, je sais absolument pas... Je sais vraiment pas du tout ce que je dois faire. C'est bien de me demander d'aller... À part tenter quelques arènes, je vois pas ce que je pourrais faire. En fait. J'ai tout essayé là. Bah là, je suis sauvé Oniaville. Mais on me demande d'aller, en fait. Ah, c'est loin. Alors, on me demande d'aller maintenant à Iraem. Le problème, c'est que...
Au niveau du Poképark, il y a un ronflex qui me bloque le chemin. Et j'arrive pas à trouver soit un autre chemin, soit de Poképlute. Et je peux pas passer par Ravelum. C'est le seul passage que j'ai, je suis bloqué parce que j'ai jamais entendu parler de Poképlute dans le Let's Play, ou je m'en souviens plus. Donc du coup je suis bloqué avec un ronflex de merde. Non, j'ai discuté avec tout le monde, il n'y a pas de problème, durant tout le long de mon let's play, j'ai fait le tour de toutes les villes. Donc je sais absolument pas quoi faire. C'est la ligue MDR. Je peux pas le faire. Je veux te dire, j'ai toujours qu'un seul badge. À part d'entraîner mes Pokémon, je peux pas progresser après. Et là, mes Pokémon ils sont encore trop faibles pour faire la ligue. J'ai aucune idée là. Ah Sacha, tu pourrais pas m'aider? Je répète, je peux pas faire aucune arène. Toutes les arènes me surpoutrent. Voilà. Et passage, ouais. Bonnet. Je vais faire du caca au riz. Voir si Sacha peut m'aider. Sacha! Tu es où maintenant? On pose des questions, moi. On sait rien. C'est toi le personnage principal. Démerde-toi. Quête secondaire, on voit bien que ça donne des trucs plus ou moins bien. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est que Oniaville c'est bon. Et ouais, le jeu est encore pire que toi, parce que toi tu essayes de trouver une solution, lui il dit démerde-toi le jeu. Je vais revoir au niveau des développeurs, puisque c'est le seul endroit que j'avais peur. Ça se trouve depuis le début c'était là. Il y en a un qui me donne le Poképlute, je vais peut-être un peu. Alors. Ça c'est chez Mémé, Pépé. Bon. J'ai parlé qu'à l'un d'entre eux, mais peut-être que les autres vont faire ce que je veux. L'origine, Oniaville devait être la capitale, seulement le créateur n'était pas satisfait de la taille de celle-ci. Alors il crée Trinity, qui devient la meilleure. La merveilleuse capitale de talent. Oniaville devient un hommage à Lord D. L'homme qui a donné l'envie au créateur d'accomplir son rêve. Tu sais, LE créateur se baratine quand il dit qu'il a pensé chaque dialogue. Beaucoup d'entre eux ont été inspirés d'autres œuvres, ou alors simplement d'Internet. Le créateur est un véritable dieu ici. Son travail est formidable et ses idées sont grandioses. Sauf l'idée de mettre un putain de ronflex! Il a même donné son pseudo au maître de la Team Utopia. Peut-être était-ce pour assouvir un désir de pouvoir. Le créateur a laissé ce message. Je souhaite remercier la totalité des personnes ayant travaillé au Pokémon Script Project, ainsi que l'ensemble des personnes bienveillantes présentes sur le net pour donner des astuces et des ressources. À de jeunes créateurs comme moi, l'intégralité de la communauté RMXP est à remercier. Tellement émouvant les remercie. Et je chope! Le salopard qui a mis le ronflex, je le tue. Je le défonce.
Non, il n'y a pas de Pokéflûte ici. Putain alors. Tourne en rond. Non, 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 non. Il y a encore des personnes que j'ai pas été parler. Ah, tu veux jouer à ce petit jeu? Haha! De merde, mais ici. Oh! Il va pas me parler. Mais même Google! C'est un fan game qui n'a pas de Solus. Tu te rends compte de ça? Excusez-moi. Oui. Puis-je voler votre sac à dos? Non. C'est pas grave, bonne journée. Merci quand même. La violence. On va quand même tenter une arène, allez. Parce que je suis sympa. Bon, on va voir si finalement cette arène va me donner la Pokéflûte. Après tout, c'est la seule chose que j'ai bien débloquée. Oh putain. Oh non. Attendez, non, 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 on va pas faire comme ça, sinon ça va jamais marcher. Eh ben, bravo, Ri. Tu viens de te paumer dans ce labyrinthe. Bon. Donc j'explique l'astuce. Mais merde. Dans un labyrinthe, il faut tourner toujours dans la même direction. Et on a que des Pokémon psy, donc je pense que Xatu va être là. Bon, on va longer le mur de droite. Ok. On longe le mur de droite. Hé hé, mon petit. Sais-tu que je suis un épistémologue célèbre? Je m'appelle Jean Piaget. J'ai beaucoup étudié les enfants de ton genre. L'histoire me retiendra probablement pour ma théorie structuraliste en stade. Tu ne vois pas de quoi je parle? Attends, sors tes Pokémon, je vais te montrer. Tu vas comprendre dans quoi les miens sont plus évolués. Un Zarbi niveau... Un Zarbi bugué niveau 35. C'est jouable. Bravo Luxray. 197,6 points. Ah, faut regarder les lettres. J'ai eu un U, je crois que c'est un F ça. U, F, U. En fait, ça change un truc, mais... Oh, ma chouette, c'est carrément. Non, je sais pas. Les Pokémon psy. Ufu. Ufu. Ah oh, putain, je sais toujours pas ce que c'est que cette lettre. Chaque fois j'oublie cette lettre là. Au niveau 45, ça a monté d'un seul coup. Que nous fait à l'arrache. Bah c'est le but hein. C'est du pur troll ce jeu. Ça c'est un S. Ufu os. Ufu. Ufu los. Ufu gos. Je sais pas. Ça peut-être rien dire depuis le début. C'est un anagramme.
Vous êtes dans la période des opérations formelles, c'est bien. Bravo et félicitations, tu es passé au stade des opérations formelles. Tu peux continuer le labyrinthe en toute tranquillité. Alors, toujours la même direction. Par là. 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 Par là comme ça. Là, on a vu que c'était une impasse, tout va bien. Heureusement, je peux y aller en vélo, ça va plus vite. Ah merde, je suis arrivé! Non, je n'ai un innocente personne. Tu ne te trompes pas. Je suis le théoricien de l'insouciant. Créateur et innovateur des instances psychiques. Je suis le maître au royaume des psychanalystes. Je suis le seul et l'unique. Je suis le célébrissime Sigmund Freud. Yo! Maintenant, parlez-moi de votre mère. Elle vit à Dialyson, n'est-ce pas? Comment le sais-je? C'est le créateur. Je lis dans votre esprit, oui. C'est plutôt le créateur qui t'a programmé comme ça, hein. Oh, je vois. C'est donc toi qui as sauvé Oniaville. Sache que je suis flatté de t'avoir comme adversaire aujourd'hui. Alors, procédons à votre analyse. Et je vais me faire défoncer. Il a 6 Pokémon. Il commence par un Karoi niveau 40 qui déchire. Ultra laser, évidemment, hein. Donc ça serait pas drôle. Je vais faire la technique du zigzaton. Oui, c'est vrai, merde. C'est atroce. Ça misplay. J'oublie que l'ultra laser. Ah, j'aurais pu le défoncer comme un gros débile. Avec le stray. Non, 1-0. Ça comptait pas le. Zigzaton. 3-3, 1, 2, 2, 1. Pas rapide mes Pokémon, ça va venir. 2, 1, 2, 2, 1, 2. Mentali, ok. Pas fait attention à Freud, il me dit quelque chose mais je sais plus dans quoi. Vas-y Coquillard, tu peux tous les battre. Te faut rêve. Ça marche. T'as 48. Ça fait rien, vas-y. Je suis en train de battre un champion de la reine. Niveau 48. Hein. Spectrum. Niveau 55. Hitshot. Enfin, il me faut des Pokémon niveau 60. Hitshot aussi? Non. Hypnomade. Putain, il en reste 2. Pokémon, moi. Je suis mort. Une boule. Pouh. Je ne peux pas gagner. Poudre de dos. Oh, super efficace contre un niveau 34. Je ne peux pas gagner. Fèbre. Bon coup de boule contre un niveau 33. Hein. Hitshot, allez. Pour bien montrer que j'ai aucune chance. Hein. Voilà, c'était le combat de merde.
Hop, on passe. J'ai envie de perdre de la thune, je savais que j'avais perdu. Bon. Ça ne résout toujours pas mon petit problème de ronflex à la con. Oui, mais c'est pas le but pour l'instant dans le jeu. Là, je dois vraiment sauver le monde. Donc, soit il y a eu un bug, soit j'arrive pas à comprendre la suite. Je vois que ça. Hein. Je ne vois que ça. Et le jeu me troll parce que j'ai un Ortig, j'ai vu toutes les pierres sauf la pierre soleil. Ça. Faudrait que tu vois l'épisode un peu plus tôt. Mais le jeu n'a pas arrêté de me troller depuis le début. Et là, ça n'a rien d'XP ici. Pokémon niveau 20. Il y a un endroit pour XP, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le but. Comment on fait pour aller là? Par la mer, hein, évidemment. Il n'y a pas un bateau. Pour la cinquième fois, nous allons traverser cette route. J'ignore où on peut aller. Et toi? Voilà! Elles sont là! As-tu vu? Les belles quenouilles! C'est des quenouilles! Attention! As-tu vu les belles quenouilles? Ouais, y'a pas de problème, j'ai bientôt arrêté de toute façon. C'est tellement prévisible! Donc voilà, ça résume un peu le jeu. Il n'y a que des trucs comme ça. Des petits trolls. Des références à gogo. Il y avait du Dofus aussi. Même les musiques, c'est tiré de plein de jeux. Alors il y en a que j'arrive à reconnaître et d'autres non. Et là, il y a tellement de références. Ludicolo. Alors ça me fait bien chier. Plante plus à quoi? Pas grand chose en fait. Et ouais, la plante absorbe l'électricité, l'eau et le conducteur. Plus boule. Coquillars, il vient du jeu. C'est un fake mon. Ils sont là, ils viennent d'un monde extérieur. As-tu vu? As-tu vu? Oui, je les ai vus. Mais c'est pas ça mon problème. Putain.
Ok, ce Pokémon est bugué, il y a du soleil et... Vous êtes au niveau 33. Je veux passer, putain! L'esprit est mort juste à cause de ça. Faut que je fasse des recherches internet hors stream. Oui, les psy, le 9, le beau. Qui me parle de cet endroit, je me comprends. Et moi, madame, t'as une Pokéflûte? Je vais avoir beaucoup de Pokémon, mais Pikachu est le meilleur. Plus il est jaune comme cette ville. Ah oui, faut une master quest. Pas surf. Un grand centre commercial de partout. Putain, une pierre lune. Un jour, je vais enlever mon ortite pour savoir si le jeu me troll depuis le début. Même ça, soleil vert. C'est un tout sombre, mais à part ça tout va bien. Oh, des baies. Non, mais attends. Bépitaille, Bédurin. Bah, y a du Bédurin. N'est-ce pas? Ok, ensuite, c'est quoi les autres? Putain de merde! Alors, Cassine, Pitaille et Litchi. Pas d'autre. C'est tout bon. Pas une Pokéflûte, toi? Moi, le prix des Pokéballs a encore augmenté. M'en fous. Et avoir entendu parler d'un ronflesque qui gêne la route, quand même. Fort, rappelez-vous. Mon fils risque certainement de ne pas vous ennuyer avec ses blagues. Quoi, c'est bon. Le pays est une vie formidable, souvent en temps. Blablabla.
voir à Pandora. Dans quelqu'un qui doit savoir quelque chose quelque part. Je n'ai que 10 minutes pour trouver la solution. Vous savez que les Pokémon de type psy avaient peur de l'écran de télé, oui. Bien, bonjour. Tu viens de Dialyson? Waouh, mais c'est vachement loin. Comment tu veux arriver? Alors juste que je sais pas ce que je pense. Je viens de penser à un truc. Ça serait dégueulasse. Vous savez quoi, on va le faire quand même en 10 minutes. Peut-être même un peu plus. Je vais me retenter un truc que j'ai abandonné il y a... Waouh, ça date un petit peu, donc j'ai tout oublié. Je trouve c'est ça depuis le début, mais là, ça serait dégueulasse. Ça serait complètement dégueulasse. Parce que je l'ai raté de très peu la dernière fois. On va prier quand même. Ah, à ce propos, attendez avant. J'ai pas regardé dans la centrale. Dans le centre Pokémon. C'est con pour un Pikachu. Je viens de pas être au courant. Comment sont les centres Pokémon de Kanto? Je vois. Ils sont comme ceux d'Atalan. Je peux aller à Kanto sans crainte dans ce cas. Mais les centres Pokémon de Johto, comment ils sont alors? Hey. Noctairie a dû se planter un truc dans la tentacule parce qu'il saute depuis un moment. Bon, j'ai rien dit. Rappelez-vous de ça. Ah, t'es là! Viens, j'ai besoin de toi. Oh, s'il vous plaît, pas de bavardage. Putain, je me suis trompé de gars. Ah. Je vais juste vérifier un truc. Proche tout court le signe. D'accord. Très efficace. Je voulais savoir. E-badge, vous n'avez pas de problème.
problème. Et bien que j'allais bon. Allez. Je pense que je vais faire une coupure et je vais tryhard ce truc pour savoir si c'est ça. Tant pis si je rate. Allez, à tout de suite les gens. Pour le tryhard de l'école, la revanche.